Haïti, insécurité, dossier kidnapping des 17 mercenaires américains et missionnaires canadiens. Mercenaires, papa. Des 17 missionnaires américains. Pas mercenaires, papa. Mercenaires, t'es venu tous les jours d'El Moïse. C'est missionnaires américains. Même les crimes, non, t'es planifié qu'à américains. Des 17 missionnaires américains et canadiens. Les négociations prendront le temps qu'il faudra, selon le FBI. L'homme s'en joue, chef du gang des 400 Maozo, sous les projecteurs de la presse internationale. À quoi peut-on s'attendre? Le ministre de l'Intérieur, M. Litz-Kittel, suivant une interview qu'il a accordée à Wall Street Journal, M. fait connaître que Mounio très bien. Yo en forme. OK, monsieur yo en négociation avec FBI avec DCPJ. Mais c'est pas FBI qui a mené dossier. Il faut rappeler ça, hein. C'est DCPJ par le biais de cellule contre-enlèvement qui toujours mené dossier ça. Cellule contre-enlèvement c'est lui-même avec d'autres experts dans le pays, hein. OK, qui très à cheval sur dossier ça. Eh bien. CCE la cellule contre enlèvement qui toujours bail des résultats. En pile fois, moun yo remettre l'argent. C'est parce que pas yo connait une peur tout, moun yo connait peur pour patrouiller et pour ravisseur patrouiller moun yo. Mais ça qui est là, lou ko désir information. Information de dernière heure à l'émission matin débat. Chef 400 Maozo al relé yon qui en prison. Qui en prison? Madame, monsieur, attention. S'ouvre matin débat, on allez. Yon, t'es en prison. En 2020. Là, on t'a kidnappé. Monsieur français et consort. Yeah, ben. Yon t'a kidnappé. Est-ce que vous rappelez le kidnapping qui t'a fait? 400 Maozo t'a kidnappé. Oui, français. Laisse ça. DCPJ. T'es en contact direct avec et t'as mené question très bien mais t'as une pression sur parler national et dans un moment sur kidnapping français très bien laisse ça puisque c'est Yon qui chef gang là l'homme sans jour est numéro 2 gang dans lieu mais je dis à l'événement numéro 1. Je dis à l'union. Oui, parce que Yon en prison. Yon en prison. Eh bien, ça information. Yon condamné à perpétuité. Maintenant, on y a là, négociation. Pas quoi, rien qui a passé. Dans le cas de 400 Maozo, Yon pas au courant. Ouais. Même s'il est en prison. Même s'il est en prison. Ouais, très bien. Depuis là, j'en bail, Yon voyait pas le bali. Ouais. En prison. En prison. Donc, monsieur Yon, dans le moment où on a parlé là, c'est un personnage très important pour cette enquête. L'enquête sur les 17 missionnaires. Missionnaires. Oui. Et c'est eux qui vont prendre 17 millions de dollars. Ça, c'est là. Yo qui va prendre 17 millions de dollars. Claire. Yo qui va prendre son actuel. Yo, c'est lui-même qui a mené des balles. Et yo, on a pris son. Il a un téléphone. Parce que lui fâché, yo te roule la farine, le désir. Première fois, yo te dit comme ça que. Il a fait échange. Là, non, libération française. Tu as une information qui est fuitée. Oui. Il a déjà été déplacé, le même mené déplacé le chip de la campagne. Très bien. Monsieur Yon, campé mine au moment où on a parlé. Donc, actuellement, là, Yon qui est en prison, il a mis en négociation pour libérer 17 missionnaires, madame, monsieur. C'est le cas. Que 400 Maozo kidnappé. Il dit. Si Marie pape monte, si Marie pape descend, 17 millions, red, 17 millions, clair. Et de fait, monsieur Lamos en joue, campé mine. Madame monsieur. Et il y a des menaces okay. De mort. Madame monsieur. Sous quelques noms missionnaires. Madame monsieur. Information de dernière heure. La possibilité pour taguer une intervention militaire à partir de ce kidnapping. Le kidnapping des 17 missionnaires américains et canadiens pour ta gagne intervention militaire, on débarquement de troupes militaires américaines en Haïti, la possibilité est donc sur la table. La possibilité est sur la table. Est sur la table, madame. Et
est-ce que vous écoutez, c'est nous-mêmes qui avons joué à pays. J'aime te dire, nous avons joué à pays. Voilà, moi, sans joue. Et nous sommes essayés, les morts sans joue là, je dis, il va parler. Parce que matin, je vais me dévoiler que les morts sans joue parler. On bouge ça parce que, au grand pays, je dis à la fin d'accord, c'est next à un chef pays. On a qui gâché dans le côté non rage. Pour la faire américain marcher, FBI marcher. Et puis, l'apten 17 millions de dollars dans les américains. Mais si on a qui bala avec lui comme haïtien. Comprenez bien. Hein? Et bien, dans le moment où on a parlé à la gueule, l'hélicoptère qui a survolé zone côté M. Katsama Ozo, il y a dans quoi de bouquet. Eh bien, M. Katsama Ozo, il va pas dire non. Le mensonge joue quand même mine. Monsieur clair sur que sur ban affaire ba FBI CIA c'est la jeune Lapton 17 millions 17 millions de dollars Lapton ni c'est comme ça Lapton là et yon dit monsieur Camperred et c'est là pour le FBI madame monsieur comprenez bien pas oublier que FBI sous dossier assassinat président Jovenel Moïse et jusqu'à présent ouais donc le résultat de des enquêtes menées par le FBI sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais maintenant, on a le mensonge ou kidnappé 17 missionnaires américains et FBI qui est en débat dans le pays, il y a sous dossier kidnapping. Nous allons regarder pour nous. Comme assassinat, il y a maintenant qu'un tout. Comme assassinat, président Jovenel Moïse avait fait déjà depuis 3 mois. Nous allons regarder si. Non, qu'est-ce que résultat. Ça a fini avant. Souvent, c'est obtenu que le président Jovenel Moïse. Mais c'est une priorité, je sais. Priorité. Mais ce que son écoute, bon, ben là, t'es commencé déjà. Non, et déjà, ça que, a fini. FBI a... Ouais, résultat, enquête ça, l'a fini. L'a baille. Et pas Jovenel, l'a pas bien fini. Qui bon? Songez ça, madame, monsieur. Jovenel FBI sous dossier enquête. Est-ce que Jovenel, c'est un américain lié? Assassinat président Jovenel Moïse, là, ça fait 3 mois. Jusqu'à présent, aucun résultat. Et même FBI, ça a débarqué, pressé, dans le pays hier, avant hier. Ok, pour vin. Négocier avec base 400 Marozo pour libération 17 mercenaires américains et canadiens que 400 Marozo kidnappé. Et je dis à la, toute la presse internationale mettez projecteur sous l'amour sans jour qui est chef 400 Marozo. Gon réserviste au niveau de l'armée américaine qui gardait l'anonymat. L'anonymat. Mm-hmm. Attention. Attention, ouais. Mm-hmm. Et qui voulait garder l'anonymat. Mm-hmm. L'anonymat. Et qui t'a voulu place son mot. Ok. Et parce qu'il y a une information de dernière heure que nous partager avec nous. Très bien. Sous question, le déploiement des armes américaines en Haïti. Information. Qui information gagne sous question, possibilité pour un déploiement des forces américaines en Haïti suite à kidnapping qui fait par la base de 400 Marozo. Qui kidnappé 17 missionnaires américains et canadiens. Comment nous y bienvenue à l'émission Antenne Débat? Allô? Oui, comment nous y bienvenue à l'émission Antenne Débat? Qui information plus qu'on gagne sous question possibilité pour ta gagner un déploiement militaire? Oui, allô? C'est ça qui passe. Salut, monsieur, salut, nous, panel, salut, tout Haïti. Et que Maison Blanche, pas tellement, vous voulez, comme si vous voulez faire. Secret, il n'y a pas comme si vous voulez, tout le monde connaît ça. Et que concernant l'intervention militaire, mais il y a fait l'intervention militaire très prochainement la main. Yeah. Et que d'après sa congression, il n'y a pas, bah, aucun argent, aucun corps, même. Donc, monsieur dit, on a eu un bombardement, mais et que la vie 17. Si y a un bombardement et que la vie 17 mon yo kidnappé yo après un jeu. Donc États-Unis va le bal l'argent. Non, il va le bal l'argent, mais il va le bal l'argent. Il faut qu'il y ait mon yo et que sans l'argent et puis le fil tout et que et faut qu'il y ait comme si il pas voulu comme si pour rien est arrivé mon yo tout. Ça fait que yo pas juste en okay. Et envahi déjà là. Très bien. Très bien. Et que et gang et un chef 400 aujourd'hui dit que il s'est monté sous 8 balles et il pas bail l'argent. Ah mais faut 7 millions de dollars bail. Pas retirer, pas mettre. Ouais, sans où était Oyota. Oui, sans où était, sans mettre mais
et que question de pression, il y a une balle, il y a sa pièce. Donc, voilà, administration, président Biden, non, seul plein de souliers, donc j'ai rencontré. Et que tête n'a pas chaud dans l'enveloppe. Et famille, 17 missionnaires, ça y est, et m'a dit, on dit, pressé. Donc, dans les jours à venir, et nous parlons de cette année, Gisèle 4 là, je pense que c'est le moment pour qu'ils soient kidnappés dans tout le pays, parce que c'est pas là, et donc, je pense que c'est très réactif, ok? C'est très réactif. Et que dans les heures à venir, ou dans les jours à venir, je pense que c'est ce qui va se faire. Très bien. Mais Sobil. Mais Sobil, qui est là. Bon, voilà, ok. En tout cas, si nous comprenons, en fait. Alors, si nous comprenons. Comprenez bien, madame, monsieur. Nos amis qui disent, les mensonges, tout bon résidence. On tout bon cas, alors, on résidence Captain Inha dans prison aux États-Unis. Qui mensonge, monsieur, madame, pas mensonge. Il va y avoir ça, non? Le mensonge, madame, pas ça. Voilà, quel est le? L'embrasse. Écoutez. Madame, monsieur, bon, me rappeler, bon, reprendre ça, non? Sauf parler avec auditeur à viser ça de l'émission Matin Débat. Et c'est ça l'information. États-Unis, clé sous question, yon pas bon dollar. Yon good. Alors, États-Unis. Attendez, oui. Nous avons information. Oui. États-Unis dit que yon pas bon, yon décide pas bon dollar en good. Yon pas négocier. Le gouvernement. Mais chaque monde a une famille. Attendez, mon frère. Ou qu'on va manger banane, non? Allez, mon frère. Non, mais. Mais mission, il y a mission qui a mené le débat, non? Ok. Au départ, c'était mission. Le mot s'en joue comme une mine. Le mot s'en joue classe question, pas gain. On y a un tac à manquer comme ça. 17 millions de dollars clés. Sous tête d'Adal. Question, mon avis, une bonne impression, c'est pas une paille. Une impression? Ah. Donc, on garde pour nous, on a croisé de tout pour nous, ça va passer pratiquement dans 4 dossiers dans le pays. Mais comme on dit, nous avons une possibilité pour gagner un débarquement de troupes militaires américaines. Sous question ça. Eh bien, information c'est que, côté M. Katsamao, qui a kidnappé missionnaire, il a déplacé à mettre de l'autre côté. Et à ce qu'il paraît, FBI et DCPJ, qui est connaît, donc qui va Mountaoui. Et dans ce moment-là, le morceau joue quand même mine. DCPJ, alors FBI pour avoir information ça. Mounio déjà déplacé, dans le moment où on a parlé là. Déjà, il a déplacé. Il a déplacé à Mounio. Déjà encore. Non, espace secret. Secret. Il y a été déplacé encore. Mounio déplacé, encore. Redéplacé. Déplacé. Et ceci dit, FBI a toute cellule contre-enlèvement, la DCPJ, pas qu'il y a information ça. Et l'armée américaine, si vous avez pour intervenir, il y a intervenu après libération Mounio ou bien après assassinat. Parce que yo... après, il faut dire la possibilité. Il y a une possibilité pour assassiner. Oui, non, non, le mort s'en joue comme mine. Là, il y a comme mine. Le mort s'en joue comme mine. Et yon comme mine, tellement mine. Il dit, yo, t'es où l'aile dans farine? Yon, yon, oui. Ils ont tellement capé mine. Ils disent négro t'es où l'aile dans farine. Dans la libération française. Dans libération française. Ok. Et bien fois ça lui-même. Pas dans la dot ça. Pas que sa pièce. Bay dollar sous dollar. Des dollars. 17 millions de dollars. Sans manquer yon dollar. Non, moi on a parlé là. Yon c'est quoi l'île d'Abtan. Sans manquer yon dollar. Yon de lui-même lui fin vivre. Yon condamné la perpétuité. Yon fait 10 ans. C'est basse. L'argent l'Abtan dans la prison. C'est clair.